L'amour, c'est le sentiment le plus complexe et tumultueux de l'être humain. L'amour, le désir, le sexe. Qui n'a pas vécu une histoire qui joue le chaud-froid avec le sentiment pénible d'être une grosse éléphante dans une maison de poupées? Je t'aime moi non plus, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Mais est-ce que toutes les histoires sont comme ça? Avec des up and down de grand 8 qui filent la nausée? Comment ne pas se prendre la tête à plus pouvoir dormir? Comment reprendre le contrôle dans une relation, ne pas attendre un texto comme une junkie pathétique? Comment manquer à la femme qui vous en fait baver? Déjà, si vous avez tendance à être au garde à vous dès que votre dulciné vous siffle, mais évidemment, ça va pas. Une relation, ça doit être équilibré. Vous n'êtes pas là pour servir de servante soumise à une princesse exigeante, même si le fantasme sexuel est tentant. Si elle vous sent fébrile et accro, elle va savoir qu'elle a le pouvoir. Et le but, c'est de ne plus jamais en baver. Ok? C'est un engagement à prendre de soi à soi, et c'est le seul vrai engagement à prendre dans la vie. Donnez-vous la priorité absolue. N'oubliez pas, vous êtes belle et rebelle. Attends, excuse-moi. Tu sais, j'ai pensé à un truc. Je me dis que ce serait une bonne idée que je te présente Ophélie. Ouais. Non mais pourquoi pas, enfin... Elle est adorable, c'est vraiment une crème, tu vois, elle est super quoi. Ouais, je crois que ce serait bien que vous vous rencontriez. Bon, c'est quoi l'idée? C'est de faire un troupe, là? C'est un fantasme que t'as? Non, pas du tout, non. Non, mais je trouverais ça génial que ce soit juste simple, tu vois, libre. Enfin, c'est juste une rencontre, quoi, des êtres humains qui... Ouais, ouais. Tu vois? Ouais, 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 pourquoi pas, ouais. Mais elle est pas un peu jalouse? Enfin, je sais pas, un truc un peu comme ça, tu sais, un peu débile comme la jalousie. Mon jalouse, non. Non, non, non. D'accord. C'est quoi qu'il y a entre vous, là, vraiment? Enfin, la place qu'elle a pour toi. Parce que c'est important de savoir comment on se situe les unes par rapport aux autres. On n'est pas une tribu de bonobos. Mais sa place, je sais pas, c'est une fille que... Mais je sais pas, mais... Enfin, tu te dis pas qu'un jour... T'auras vraiment envie d'être avec quelqu'un? Enfin, une vraie histoire, Rebecca, je sais pas, peut-être pas l'âme sœur, mais un truc où tu te dis, ben ouais, this is the girl. Non mais l'âme sœur, ça veut dire quoi? C'est se rendre dépendante de quelqu'un? C'est quoi? Regarde, moi ma mère, elle a fait 3 gosses avec un pervers narcissique qui lui a pourri la vie jusqu'à ce qu'elle ait 50 ans et qu'elle ait enfin le courage de se barrer. Et pourtant, elle arrêtait pas de dire, je l'ai dans la peau, je peux pas me passer de lui. Non mais attends, mais tu dirais que je suis une perverse narcissique, c'est ça? Non, mais non. Non, c'est juste que j'ai envie de me sentir libre. Voilà. Ouais. En fait, trouver l'âme sœur, c'est peut-être juste rencontrer quelqu'un qui est aussi dépendant que toi. Bah, peut-être, ouais. Essayez de ne pas le contacter. Profitez de cette période pour prendre du recul. Je pense sincèrement que c'est trop tôt. Vous devez vous protéger. Mais je l'ai dans la peau, vous comprenez? Vous pensez que ça va s'arranger?
si vous prenez les bonnes décisions aujourd'hui. Essayez de ne pas trop vous projeter, mais de faire le mieux au jour le jour. Enfin, le moins pire, dans votre cas. Mais est-ce que vous pensez que ça va vraiment s'arranger? Enfin, je sais pas, ça fait 2 ans que je viens vous voir et j'ai le sentiment de tourner en rond. 2 ans, ce n'est que le début du voyage vers soi. Le voyage vers soi, ça coûte plus cher que le voyage aux Caraïbes. Allez, courage. On se voit la semaine prochaine à la même heure. On n'avait pas dit 7h? Bah il est 7h. Ah ouais? Bah ouais. Câlin. Câlin. Et alcool. Les deux mamelles du réconfort, hein. Bon, je t'ai pris une petite bouteille de pinot noir. On va m'en dire des nouvelles. Mais trop bien, j'en ai besoin. Tu vois, moi, vraiment, je pense que la déesse de l'amour m'a abandonnée. Ah mais je suis comme Jésus, là, sur la croix. Je suis là, je suis en galère. À ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Avec que je rencontre Ophélie. Tu vois le truc? Non, c'est pas humain. Ouais. C'est de la maltraitance un peu quand même, non? Ouais, mais au moins, tu vois, tu vas désacraliser un petit coup. Ça, je crois pas, non. Je l'ai vue sur Facebook. Hein. Oh. Elle est canon, hein. Non, mais c'est n'importe quoi, cette situation. Mais je suis littéralement mais obsédée. J'ai mal quand j'ai pas de nouvelles. J'ai mal quand j'ai des nouvelles. Je vais péter un câble, Nour. Finir à l'HP. Depuis le temps que ça me pend au nez. Mais non, mais je suis maso, en plus de tout le reste. Mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle comprenne? Parce que si on était vraiment ensemble, elle verrait. Moi, je sais que je peux lui faire changer d'avis sur le couple. Mais ça, elle le voit pas. Quand on lit un roman, on a l'impression de tout connaître d'avance. Tout paraît si compréhensible. Mais dès que l'on tombe amoureux soi-même, on s'aperçoit que personne ne sait rien. Et que chacun doit décider pour soi, tout seul. Quoi? Tchekhov? Bon, laisse tomber. Je me suis dit que j'allais lui écrire une lettre, tu vois. Une lettre où je lui dis tout, où je me livre. T'en penses quoi? Je sais pas. Ouais, le coup de la lettre et tout, c'est une bonne idée, tu vois, ouais. Mais... Moi, je pense qu'il faut vraiment que tu restes aligné. Sinon, t'as qu'à consulter une voyante. C'est ce que je vais faire, moi j'ai pris rendez-vous. Une voyante? Ouais, ouais, je l'ai trouvée sur internet, sur Insta. Et en plus, la meuf, elle est méga stylée. Hein. Fais voir. Fais voir. Non, mais t'as raison, hein. C'est peut-être mieux que les psys, en fait. En même temps, c'est pas difficile. T'as pris rendez-vous? Ouais. Putain. Mais tu te fais pas chier, hein? Bah non, je me fais pas chier, non. Non, j'espère qu'elle va t'annoncer des bonnes nouvelles. Bah écoute, Inch'Allah, moi aussi j'espère. Tu me donnes mon verre? Oui. Tiens. Ruby, tu crois pas qu'on a des choses à se dire? Le jeu du chat et la souris, c'est pas mon truc. Si c'est fini entre nous, j'ai besoin de le savoir rapidement. Je t'attendais, Nour. Ah bon? Bah oui, c'est bien l'heure de notre rendez-vous. Ah oui, oui. Tu as un tatouage sur la nuque. Ouais. Non, mais en fait, c'est pas une blague. T'es vraiment magicienne, quoi.
Nour, est-ce que tu es prête à accepter tes zones d'ombre, tes paradoxes, prête à prendre la pleine responsabilité de toi-même? Ce tirage va t'aider à écouter ton intuition, à devenir ta propre alliée, à prendre le temps de t'écouter et de célébrer ce passage vers la liberté, l'indépendance. Le pendu. Le pendu invite à la flexibilité, la réceptivité. Tu dois faire un cheminement intérieur qui t'ouvrira les portes du voyage initiatique d'amour. Le jugement. Le jugement symbolise le succès, la rapidité. C'est quelque chose que tu attends depuis très longtemps, mais qui va prendre un tournant décisif dans ta vie. Quelque chose de foudroyant. 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 Le soleil. Le soleil symbolise la clarification. L'éclairage, la lumière, le rayonnement. La chance est là. Tu vas rencontrer une belle et sombre inconnue. Non mais attends, je suis choquée là. C'est une femme qui va t'ouvrir vers de nouvelles perspectives inattendues. Non mais ouais, mais ces cartes là, c'est incroyable. Mais n'oublie pas, Nour, que ce que tu cherches véritablement, c'est d'être libre. Et pour être libre, tu dois comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'agir. Mais la manière d'agir qui est juste et alignée pour toi. Ne t'attends à rien, mais sois prête à tout. Et c'est possible d'avoir un rendez-vous en vrai? Parce qu'en fait, j'ai d'autres questions qui me viennent à l'esprit. Oui, 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 je peux me déplacer. Mais c'est 30 euros de plus. Bah ok, hein, super. Mm-hmm.